Soyez les bienvenus dans l'univers de votre émission Dickerson One Show système en commiali kofi. Est-ce que to bunda? Est-ce que photo bunda? Nadika moni to bunda. Nan komi ba bunda kate. Bébert et tout le manager producteur et l'invité de marque de votre émission ce soir. Bébert qui viendra nous parler de ça, de la rupture entre la maison Bébert et tout production et l'artiste musicien Kevin Mbwande Mbenga le Nkwembali. Il viendra également nous parler de ce qui s'est passé ou ce qui se passe entre lui et son poulain, son jeune frère, sinon Varan de Komodo. Pour Varan de Komodo, voilà qu'il y a ça. Na wenge BCBG. Varan de Komodo a tringalé na Brazzaville. Varan de Komodo a leli na Sefawana. Varan de Komodo a zongagi panton pe a salaki conférence de presse. Varan de Komodo n'est plus parti na wenge BCBG. Bébert et tout a oyaka kosolo masolo wana. Didier Sergi, non, vous savez bien qu'il y a une année, sinon deux ans, à Araki, dans l'aéroport à Roissy, Batindika qui est pas Banoko, Banoko, Bazoaki, Nebakarine, Mamé, Mamé, Nicolas, Nicolas, les longs n'ont pas de Banoboye, Didier Sergi, non, à Zanakacha, Panama, il y a ressemble beaucoup tout est. Donc, vous proposez une interview, Oyo, Yepenza, accordé Gabiso, Awana, Panama, pour la Sabino, que Panama, c'est un mot magique, mais Panama, Pesara, Mabele, et vous savez que la Pesara, Mabele. Vous êtes surtout sans ignorer que nous commençons toujours par une chanson religieuse. Question de valoriser, question de glorifier, question de témoigner notre amour na Kolonzambe parce que sans y est, pas c'est mon ami. Ranger Smith Magneto. Bébert et tout, bonjour. Bonjour Dickerson One. En tout cas, plaisir à trouver à Royambayo, Lelo, na Dickerson One Show. C'est pour une première fois parce que depuis ton mandat Dickerson One Show, tu n'as jamais chance à Royambayo. Pour commencer avec toi, je souhaiterais que tu me cacosales un peu le point concernant Disque Oyo, au Salaki, na que 20 mois, mais à savoir que Disque Oyo, en tout cas, tu as dit que tu es trop. Est-ce que donc, quitte ça le point par concernant Disque Rwanda. Oui, pourquoi pas, parce qu'on est là pour ça. Alors, donc, selon yo, n'est-ce que vous avez le disque, si il est là, il est qui n'est-ce que bon, Disque Rwanda, yo mo outou l'ouba, communication n'ango, ça a laissé personne indifférent, moto tout à s'imprégner qui n'ango, bato, consommer disque, bato, hasard, c'est peut-être parce que n'a évité. Motonani Aroloba qui n'est pas matakarisé, en commençant par toi-même, monsieur le chroniqueur. Donc, Matakara n'a laissé personne indifférent. Matakara a dévasté la planète. Tout le monde est matakarisé, jusqu'à la moelle épinière. Et c'est ce qu'on a dit que ça a suivi Yamasolo pour que disent qu'ils ont la semestrialité, qu'ils ont l'annualité, et qu'ils ont la banale. Parce que dans cet album, l'artiste a fait des chansons qui, selon moi, résistent et résisteraient à l'usure du temps. Des chansons qu'on appelle des chansons intemporelles. Par exemple, le roi Bayo Nanani, le football, le soupe ou la maman,
Naolobara toujours et na continuera à Olobake. Et ça va nous dire mon moko. Et qu'on vive pendant longtemps. Le roi n'est pas Jeannette Bombole, pas Omba et Jibetis que vivaka. Le roi Bangobilatis que vivaka. On dit Moana le roi Nini Moussous Nango cité. Bon, Rumba est bien bref. Oyo, à ta ton et l'équipe. Pour générique les kaka. Générique les kaka et les kaka et Sili. Époque Nango Sili. Parce que chaque générique est fils de son temps. Mais Rumba, ce que ça bien fait, est intemporel. Alors il faut quand même qu'on avoue que la carrière à Kevin Bonemenga, c'est le premier disque, déjà il y a carrière naïe, le premier disque solo, il y a carrière naïe. C'est aussi le premier disque au Epenza, communication, et salami, ma kasi yakoleka. Souvent. Qu'est-ce que cela a pu faire dans la carrière naïe? Bon, certaines montants aux Kevin, expliquer mieux que gars, parce que c'est lui maintenant qui doit nous dire ce que le disque ou ce que la façon de faire et à Bébert et tout prod et celle de la carrière naïe. Il m'a retombé parce que Aza être humain, Aza n'a pas contact, Aza n'a pas numéro de téléphone, Aza n'a pas tout bayak à verrier, Aza n'a pas contact à rayer, tout et tout. Donc le buzz ou l'impact, le retour, il y a succès naïe, il m'a expliqué au mieux. Maintenant, moi en tant que producteur, dans Oloba Nde, n'est-ce pas que se comporter, tout et tout, parce que Naza, les producteur dans la maison de production. Mais avant maison de production, n'a dirigé la maison de production, Oyoyebi, l'Ethiok Production. Donc, n'a TK déjà pas produit. En fonction de ma produit, n'a TK TK, je peux savoir où situer le mien, l'actuel. Tu comprends? Donc, c'est un produit qui, pas par comparaison, mais quand même, n'a voyé Bandé nous constituer par rapport à l'expérience déjà vécu. Okay. Et Eza et Laurent Moreau, en tout cas, ils se portaient très bien sur le marché. Okay. Et Tissouko, ils ont continué dans mon nom. Il y a des produits où nous avons combattu dans l'époque de l'ECA, des produits où nous avons vraiment promotionné dans la façon dont nous avons fait la communication, nous avons vraiment cassé. Mais en fin de compte, les produits où nous avons été moins que Makelele Oyo. Est-ce que tu penses que la façon que vous avez communiqué vous équipé la façon wana? Bon, faut qu'on soit clair. Disque lelo était comme un ngeto zela raté. Lelo chose la disque était comme parce que c'est l'investissement 100 millions, ose la disque peut rapporter 100 millions, faut te détromper. Ce que tant on tout ça la communication et rappelons au Teka disque était tu viens de dire tout à l'heure que Kevin était à son premier album. Bon, nga personnellement, n'azala jamais satisfait. Na ningé ba album ya Patrouille des Stars Orchestre Kevin ezala promu. Ningé communication ya Patrouille des Stars ezala ka osalama. Nga personnellement, na yebi esale liwana ti. Donc comme je fais pas des choses à moitié, je sais pas faire du à peu près. Vaut mieux na salaté que na sal à peu près. Donc na sali kaka ndenge na yokela ki na chic. Ndenge na yebi na dynamisme nanga na sangi siango na sali musalo ifa na salage. Donc on doit faire du propre. Maintenant quand on fait du propre, c'est pas seulement pour na oteka disque. Il faut que teka disque et puis il faut que développer artiste. Donc lelo ça me fait plaisir. Hier on disait Patrouille des Stars en concert. Mais lelo tu peux dire Kevin Mwande en concert. Bah, tu vas comprendre c'est qui et il va jouer quoi. Parce que l'artiste s'est développé. Mais développement, il aura localité. Il faut que ce soit un développement international. Dans moi, ces jours, il y a déjà deux à trois associations ici Benginga pour nous inviter Kevin Mwande à l'anniversaire, à la manif, à Paris. Et puis, au tambour de la boîte, il y a ce que Matakara est à Osala. C'est ce que je souhaite moi aussi pour monsieur le chroniqueur. Il y a Yoté, mais album na yo. Je le souhaite avec mon cœur. Parce qu'on veut que la musique congolaise se développe. Lélo, au Kinawa Boite, à Kinoa, on a Paris. Au Zoom, on a Matakare, plein de pistes. Ça fait plaisir. Parce qu'à l'époque, on pensait qu'il n'y avait qu'un artiste congolais de Brazzaville qui pouvait faire ça. Mais aujourd'hui, il y a un artiste au Batumisusu. Hein, ce qui reste encore à souligner, c'est que Batumisusu même Bazo Kasake Kevin Zakinois.
Donc, il y a personnellement que Moussa nous a dit sur ça là. Parce qu'il faut que le Kevin, Kevin, parce que tu comprends? De la même façon qu'avant, on pensait que Roga Roga c'était un Kinois. Bon, on a un problème on va se résoudre on va comprendre que c'est un Congolais pour ça. Les Lopé n'a pas rien à voir. Mais si que bien accueilli, bah donc ça c'est lui Kinois. Non, Kevin c'est pas un Kinois, c'est un Brazzavillois. Et l'album Deuxième Monde, c'est un album congolais, un album africain, un album humain, mondial, mais qui vient du Congo-Brazzaville. Ok. Je vais essayer de revenir sur la question, parce que je pense que tu as essayé de répondre, mais je ne suis pas vraiment convaincu de la réponse que tu as donnée. Concernant la vente, moi je voulais savoir si l'album Deuxième Monde, Ndeto Yokeli Bamkelele, Ezoteka Mapé, vraiment Ezoteka Mapé, ce côté qui pense. Bon, Kenda n'est pas un disquaire. On a autorisé, qui n'est pas disquaire autour de Nabango. Rares sont au bazar de nos produits. On rit au public, on rit à l'obarato. Yo, au tsa publication, jour à sortir l'album. Voilà, jour à sortir l'album, au tsa publication. Natanga, on a Facebook, qui ok, j'ai un rit disque qui nous a agité. Je t'en remercie parce que grâce à Nayonde, na Benga, Julien qui t'a répondu, mais comment on rit n'est pas encore livré. Et j'étais le premier à acheter. Parce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons pourquoi chez Henri est comme en retard? Parce qu'Henri a un prix de gros. Tu vois, l'album en la version européenne, elle est coffrée. Donc Henri a un coffret, un prix de gros et un CD normal. Or, il y a un prix de gros et un coffret. Donc, il y a un acquitté. Il fallait que Julien explique à Henri que dans le CD, on a un coffret, on a 10 clips. Et puis, on a un concert. Donc, on a attendu une publication. Là, interpellé qu'il y a la Benga Henri depuis l'Afrique. Quand j'ai discuté avec Henri, il a compris. Il a Benga Julien, il a tenu les Julien. Donc, tant que Sombari CD, on a place qu'à Sombari CD, on a tout dans ce qu'Henri. Est-ce que tu sais quoi, Zanango? Parce qu'on a Yawa, Henri, il m'en redemande. C'est pour dire que, il est là que il m'a l'amour. Ok. Alors, moi, personnellement, j'apprécie ta façon de faire. Parce que déjà, il faut être sincère, il faut être clair surtout. Depuis bas album Ibn Maranambo Kanabiso, il faut savoir beaucoup mieux à côté communication, la façon de gérer l'album, gérer le produit. Mais je te remercie parce que manière au Kena Kevin, et ça lit bien pour la Kevin, et ça lit bien pour la musique congolaise. Maintenant, j'aimerais savoir, bah, une cohérence, il y a production. Oyo jusque là Ezanine. Moi c'est quoi yo? Bah incohérence il y a production et ali là nous on parlait na yo c'est quoi en tant qu'artiste parce que on a une double veste. On est chroniqueur et puis artiste. Na outa studio bande kokota la mon mbali oyo. Ah na ebisibino ti mama. Voilà parenthèse ti mama eza oya. C'est quoi na zongi ma solo ya Kevin na ya production ya album na ye. Inconvénient na production en général. Namboko na biso ezali ko se porter beaucoup plus na niveau na bino artiste. Bon na manque de professionnalisme. Ba to misu ba ben ngo ingratitude. Mais nga je pense que le mot ingrat c'est pas un mot français créé pour des musiciens. Non, parce que même dans la famille na biso to zora ingratitude. Donc mokili salama bongo. Mais chez ba musicien congolais à Brazzaville, on a un manque de professionnalisme. Bozo bato moke kaka o bazali ko sali sabino na bozo bango sérieux. Tu comprends? Na anticipé déjà parce que na ibiska question des oya. Actuellement moi sinon ces ali c'est vrai parce que justement to commune rate ça ba incompréhension wana et à production. Ngala ke 20 to zana double veste. Naza manager na yi. Naza à la base d'abord manager et musique. Na continue la production parce que j'ai voulu apporter un plus généralement dans la musique à Congo, na moke na yebi et puis un plus na carrière ya ndeko nanga Kevin c'est mon frère. Et après avoir fait ça pour mon frère qui est Kevin Bwande, na sala ngo pour la musicien oyo ba convaincre nga en fonction ya ba petit moyen ba petit moyen o na ko disposer. Et ça, c'est que, en tant que manager et producteur et artiste, j'ai veillé à l'image, j'ai veillé
la production naïe, aussi veiller à ce que ma ramener tout artistique et Kende Liboso, aussi veiller à ce que carrière naïe à l'international est à la toujours allumée, aussi veiller à ce que album naïe est à la bien distribué, parce que belé basa mon rona braza wana, obis ma distributeur, obis ma producteur, ma mise en moto disque na braza, mais na Kinshasa kaka yate. On a ce que le blanc. T'es en général. Bah on s'est retrouvé na Kinshasa ka kete au monde comme ici artiste parfois moto ba playback or que parfois artiste ba toi ça moi succès na Brazza na pointe nord na ka concert à Kinderete na Dolision na ka coup tout rêve mais bomi bengi maison production to bomi bengi ba manager Moussa na bino héro kende ko mondier ici et là donc bino bossa la mondicité t'es on a moni pe na moni na ba clip publicité n'est pas tondu, donc il a compris. Il y a un système pour Robin Dagar. C'est ça le business. Et pour ça, on l'a dit bien, il y a une publicité, on l'a dit bien. On comprend que c'est un partenaire. Parfois, il y a un peu de temps. On l'a dit bien, vraiment, il y a une source. Il y a une publicité, il y a une filiale, il y a bébé et tout prod. Mais il y a un peu de se vanter dans la TV. C'est quoi, artiste, tant que vous avez suivi le manager, tant que vous avez un corps. Même que ce soit verbaux, le producteur, il faut moi professionnaliser mes alas. Pour que je sois en train de me dire que je vais pousser le deuxième monde pour que je me dise que il faut que je me dise que je suis. Mais concernant Maramba Kevin, je suis en train de me dire parce qu'il y a une surprise qui a été très désagréable et que je n'ai pas acceptée. Que j'ai pas gobé du tout, je prends ça comme une insulte. Justement, manque il y a professionnalisme on de konanga affiché et ça lingana sonne. Tu comprends? Je peux pas concevoir que je sois na bimaye na maison Weston Mokolongo, na enroulé sur les champs, téléphone ningani. Na talaboué via WhatsApp, batinga spot il y a concert à Kevin. Ou na trésor. Peu importe. Mais que ce soit concerné Yemoko ou n'a que ce soit, je pense que je suis là pour gérer l'artiste, c'est pas l'artiste de me gérer, on est d'accord. Donc un artiste qui se respecte et qui a du respect pour son travail d'abord à lui-même et qui a de la considération pour ce que son manager fait pour lui, ne peut pas aller s'engager dans un contrat sans la vie de son manager, sans même informer celui-ci. Tu comprends, on a cru qu'apprendre que mon artiste joue au même titre que ma fanatique. Donc ma fanatique va prendre internet, on a pu apprendre internet. C'est que dites-moi, qui suis-je? Okay. Tu vois, donc rien que ça, à moins que non, Kevin Mbonde, ils ont confondre. Frère Naïe, bébé et tout. Na Moussala, il y a bébé et tout, producteur, manager Naïe. Na Peki, si y était Azana, ma production. Mais que moi, je sois informé et que je sache les tenants et les aboutissants. Parce que Ngaïnde Moto, normalement, il faut traiter. Même si nous allons à Dubaï, même si nous allons à Paris, les mails existent. Maison en production, on a auto-partenaire, on a au Komelanga. Voilà. Tout ça, il va échanger. On a besoin qu'il y ait un coup. On n'a pas besoin de la mis pour nous retraiter COP. Non, tu retraites COP par mail, papa. On a signé, on a scanné, on a signé, on a validé. Et puis, on a fait. Mais que vous avez sur Facebook ou sur WhatsApp, quel que soit le problème que vous avez, vous avez. Est-ce que avant tout, il n'y a pas eu quelques couacs entre vous pour arriver à ça? Parce que si à comment vous avez un niveau à la borona, c'est qu'il y a eu un malentendu entre vous. Non. Simple manque de professionnalisme. Parce que vous avez sauté. Avant de dire que vous avez déjà eu le bongo. Tant que na maladie, à Zongaka, pendant à retourner sur scène, un diplomate. J'avais appris ça sur internet aussi. J'étais aussi en France. J'apprenais un mot sur internet. On a tout échangé trop, tout échangé. Après, froideur, contact avec Tibisso. Après, ma famille, ma bonne santé toujours. Tout ça, on a qui ont Tibisso, tout ça, là qui. Après, Ngaï personnellement. On a décidé de coproduire l'album à Kevin.